beaucoup de monde ce dimanche après-midi à Wat Nom, le centre historique de Phnom Penh. Ce lieu très fréquenté par les touristes et les Cambodgiens en week-end est idéal pour faire des photos. Mais ces photographes ne sont pas en vacances, ils travaillent. Ils sont une vingtaine à proposer leurs services aux visiteurs. Contre un peu d'argent, ils réalisent pour vous des photos souvenirs. Les poses sont très travaillées de façon à obtenir la meilleure photo possible. Les photographes sont aussi bien des hommes que des femmes. Monsieur Kum Hei travaille ici tous les jours avec sa femme et son fils. Après avoir investi dans un appareil photo d'occasion et appris auprès de quelques amis, il s'est lancé comme photographe. Mais il n'est pas toujours facile de gagner sa vie correctement avec cette activité. Il y a beaucoup de concurrence et de plus en plus de photographes. Pour M. Kum Hei, ce n'est pas un problème. Il suffit de s'organiser. Un peu plus tard, nous nous retrouvons devant le Palais Royal. Visiblement, il y a ici encore plus de photographes. Selon certains, ils seraient une centaine à tenter de gagner leur vie en faisant des photos. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une activité secondaire qui leur permet d'augmenter un peu leurs revenus. C'est le cas de M. Boon Hei. La majorité des photographes travaillent avec des appareils anciens. Les appareils numériques, plus rapides et performants, sont encore trop chers et représentent un investissement qui peut aller jusqu'à 2 000 $ pour un très bon appareil. Comme nous l'a expliqué M. Boon Hei, avant de vendre ses photos, il doit d'abord faire développer la pellicule et imprimer les photos. Les photos se vendent en moyenne 2000 riels au Palais Royal et 1500 riels à Wat Nom. On est loin du tarif des professionnels. La nuit est maintenant tombée sur Phnom Penh et les photographes continuent leur travail à la lumière des flashs. C'est l'occasion pour les jeunes ouvrières des usines de textile de devenir des stars l'espace d'un instant.
Malgré la concurrence, ce dimanche fut une bonne journée pour certains photographes. Mais pour la majorité, cette activité ne restera qu'une activité complémentaire et beaucoup rentreront chez eux, les poches vides.